Ok, Black Panther au cinéma, j'y étais. Yo, c'est la famille, ça fait grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Et encore, on est surtout pour la première vidéo événementielle. On va parler du film Black Panther. Le film Black Panther a été projeté ce week-end en Côte d'Ivoire, dans tous les cinémas Majestic, Primark, Sokoussé et autres pour parler de la culture. Et on a eu l'occasion de découvrir le tout premier super-héros africain. J'ai mis un peu plus de recherches approfondies sur mon blog que vous allez consulter. Et je vous invite tous à aller voir mon blog et aussi à pouvoir vous abonner à la fil d'actualité que je mettrai à jour au fur et à mesure. Donc, le film Black Panther est sorti, j'ai eu à le regarder. Franchement dit, je regrette pas de ouf. Bon, comme je l'ai dit dans mes vidéos événementielles, on va parler d'abord des critiques générales sur l'organisation et autres. On va et ensuite parler de l'événement majeur. Du 16 au 18 février, il y avait, comment dirais-je, le festival Marvel. Malheureusement, j'étais pas au festival, donc j'étais juste assisté à la projection le 16 février du film Black Panther. Et j'étais au cinéma Majestic de Sokoussé. Je tiens à le préciser, à donner tous les détails si vous voulez. Et lorsque j'y étais, d'abord, premièrement, niveau communication, c'est un souci pour moi. Parce que le community manager, parce que c'est souvent lui qui est chargé de faire ça, le community manager, le community manager qui est chargé de voir mettre l'événement à jour au fur et à mesure sur la file d'actualité, il n'était pas très actif. Parce que lorsque tu vas sur la page de l'événement, que tu mets, pose une question et autres, pour te répondre, c'est très difficile. On te répond pas souvent. Et il y a une publication qui disait que pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir, avoir des tickets, il y aura d'autres projections. Mais cette phrase, c'est-à-dire que quoi? Si t'as pas pu avoir l'occasion, ça dit pas que les tickets sont finis. Donc, on était plusieurs arrivés à Sokoussé. On va acheter les tickets. On nous dit que la projection de 20h est complète. Et que tous les 3 jours encore à venir sont complets. Il reste seulement la projection de 23h. Payer mon transport. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'habite Yopougon. Et la projection c'est pas ça, Koukodi. C'est une distance quand même. Le transport, tout ça, c'est pas gratos quoi. Tu vois? Après je fais des vidéos sur YouTube, mais je gagne pas encore de l'argent de YouTube. Tu vois? Donc là, c'est mes propres frais. Je suis étudiant. Donc j'arrive sur place. On me dit que la projection, il n'y a que les tickets de 23h. Il reste encore 14 tickets. Bon, je suis resté. J'ai pas le choix. Je suis déjà sur place. Donc, je suis resté sur place pour pouvoir avoir mon ticket haute. Et j'ai remarqué que tout le magasin fermé, le magasin était seulement ouvert pour la projection de 23h. Je suis resté. Et ensuite, au film. On va toujours parler d'abord de l'organisation. Le cinéma, il n'est pas très bien entretenu. Il y a seulement que 2 toilettes. Quand je dis 2 toilettes, c'est-à-dire homme-femme, on rentre ensemble et on se divise en 2 parce qu'il y a seulement que 2 urinoirs. Bon, pas de urinoir, de cabinets. Et il n'y a pas de lumière. Bon, déjà que tu sais pas où t'as rentré, parce que vous rentrez ensemble, il n'y a pas de lumière. L'intimité des mecs, niquée. L'intimité des filles, niquée. Au calme, sans forcer. Concernant le film en lui-même, franchement dit, j'ai pas regretté d'être resté jusqu'à 23h, d'être rentré à 2h du matin. Parce que le film Black Panther, franchement dit, c'est le meilleur Marvel que j'ai regardé depuis que j'ai commencé à regarder les films Marvel. Il n'y a pas de film Marvel qui puisse concurrencer. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est le vieux moro des films, quoi. C'est le vieux moro des films, il n'y a pas match. Autrement dit, petit, il n'y a pas match. On peut pas rivaliser avec ça. La scénaristique. C'est-à-dire l'histoire complète en elle-même, au top. Le décor, au top. Les acteurs, au top. Le méchant Killmonger, lui, c'est le best. Waouh, le film, j'ai envie de vous spoiler toutes les parties, mais je vais pas le faire. Si vous voulez une vidéo spécialement où j'explique le film en détail, vous me le dites en commentaire que vous voulez cette vidéo-là. Sinon, franchement dit, le film de façon générale, pour tous ceux qui l'ont pas encore vu, je vous invite à le voir. Parce que le film regroupe tout ce qu'on recherche dans un film. De l'action, de l'humour, une histoire qui tient la route de jusqu'à la fin. Et l'humour, on s'est marré de ouf dans tout le cinéma. On a été surpris pendant tout ce qui s'est passé dans le cinéma. On n'a pas regretté une seule minute passée, une seule seconde passée à attendre le film. Franchement, je vous invite tous à aller voir le film massivement et à pouvoir partager. Et concernant le film, tous les films Marvel, c'est toujours après le générique des noms que la leçon vient. Et lorsque j'ai des noms comme ça défilé, beaucoup sont levés. Et les connaisseurs Marvel sont restés assis. Parce que c'est juste à la fin du générique des noms que la vraie morale de l'histoire a été tirée. Une petite conclusion personnelle avec ce film, si tous les Africains regardent ce film avec des yeux d'Africains, pouvoir véritablement comprendre ce qu'il y a, ça va comme leçon. Franchement dit, toutes les mentalités vont changer. Toutes les mentalités vont évoluer. C'est un film qui donne des leçons. C'est un film africain sans... C'est pas que tous les acteurs sont africains, mais la manière dont le film a été tourné avec tout ce qu'il y a sorti comme leçon enseignement, véritablement, c'est un film qui est fait pour l'Afrique. Je vous invite tous à aller voir le film. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, achetez les CD, les DVD lorsqu'ils vont sortir. Ne cherchez pas
à pirater, on se connaît, on cherchait à télécharger les films, tout ça, aller voir le film. Et nous, on a eu l'occasion de pouvoir les voir en 3D. Et le partenaire a fait des lunettes 3D, je vais pas citer le partenaire, tout simplement. Le partenaire a fait des lunettes 3D, on a pu voir le film en 3D. Qualité visuelle, waouh, c'était de la balle. C'était très heureux à faire cette vidéo. Si vous voulez encore plus de vidéos de ce genre, dites-moi en commentaire. Si vous voulez une vidéo où je vous raconte le film, vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et aussi à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Sur ce, on se tient pour la prochaine vidéo. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et vous allez pouvoir avoir encore plus d'actualités en temps réel lorsque je me déplace. Sur ce, on se tient. Bye. Tchou. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc, prends des ailes sans voix, de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux mes vies, tu es comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des zéros.